Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et Canal Antille sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici les titres de ce vendredi 7 juin. La Commission européenne a lancé un bureau spécialisé dans l'intelligence artificielle ou IA pour veiller à l'application de la nouvelle législation européenne dans ce domaine. À partir de décembre 2024, le tarif des consultations chez un médecin généraliste en France passera de 26,50 € à 30 €. Dans le cadre de la commémoration des 70 ans du centre hospitalier Maurice Lespinois, la direction de l'établissement organise des manifestations durant toute la période qui va de juin à décembre 2024. Dans votre avis compte, le système de soins est-il satisfaisant en Martinique? Vos réponses dans un instant. Et enfin, le journal Le Savoir et Réfléchir de Roland Laouché qui s'intitule ce soir « L'intelligence artificielle pour qu'arrive la civilisation des loisirs ». Voilà pour les titres. L'aspirine fait partie des médicaments les plus utilisés en France et en Martinique aussi. Pourtant, ce médicament pourrait augmenter le risque d'anémie chez les personnes âgées. Parlons maintenant de la qualité de l'air. Aujourd'hui, la légère brume de sable qui a intéressé notre territoire les jours précédents s'est totalement dissipée. L'indice ATMO est bon sur l'ensemble du territoire. Demain samedi 8 juin, de 8h à 18h, les électeurs de la Martinique pourront glisser leur bulletin dans les urnes. Pour les européennes, les bureaux de vote de la Joupa-Bouillon, du François, du Marin, du Mornevert, du Prêcheur, de Schœlcher et du Saint-Esprit fermeront à 19h. Les sargasses sont de retour, notamment au Diamant, où s'effectue un ramassage quotidien des algues qui sont stockées sur un terrain mis à la disposition de la commune par un particulier. Les restaurants du bord de mer ont vu leur clientèle se réduire considérablement. Une convention de coopération a été signée au mois de mai entre le lycée polyvalent Joseph Zobel et la Caribbean Maritime University, CMU, de la Jamaïque. Cette convention a pour ambition d'offrir aux élèves en formation initiale des cursus dans le domaine de la maintenance industrielle 5.0. L'Université maritime caribéenne fait figure de référence dans la Caraïbe pour les métiers liés à l'activité maritime et plus particulièrement pour ce qui relève de la maintenance portuaire. C'est la seule institution de la région bénéficiant d'une validation de l'Organisation maritime internationale, OMI, ce qui confère une reconnaissance mondiale aux enseignements qui y sont dispensés. Ce partenariat est la première étape d'un projet plus vaste financé par la CTM et BPI. Il s'inscrit parfaitement dans la démarche de la collectivité pour encourager et faciliter les actions renforçant l'intégration économique de la Martinique dans la Grande Caraïbe. Il s'agit d'anticiper les besoins en formation innovante à forte valeur ajoutée et d'enclencher les actions dès aujourd'hui, a indiqué Sandra Casanova, la présidente de la commission stratégie logistique, politique de la recherche et de l'innovation. La Banque alimentaire de Martinique organise aujourd'hui et jusqu'à dimanche sa 27e collecte de denrées alimentaires et de première nécessité. Conserves, lait concentré, céréales, sel, farine, eau, protections hygiéniques, couches bébé, produits d'hygiène, etc. sont les bienvenus. Il semble que les Martiniquais soient de plus en plus souvent séduits par les croisières, à savoir aller faire du tourisme ailleurs. C'est un peu pour contrer cette tendance qu'est organisée l'opération Partir en vacances en Martinique. Toutes les opportunités seront proposées dès aujourd'hui au centre commercial La Galeria. À cet endroit, on pourra également trouver des billets pour un certain nombre d'événements.
Dans le cadre de la commémoration des 70 ans du centre hospitalier Maurice d'Espinois, la direction de l'établissement organise des manifestations durant toute la période qui va de juin à décembre 2024. La première de ces manifestations, un colloque qui s'est tenu le mercredi 5 juin à l'amphithéâtre Michel-Louis de l'Université des Antilles Paul Martinique à l'initiative du pôle pédopsychiatrie du CHMD. Son thème « Eau et psychomotricité, regard croisé entre pratique thérapeutique et environnement culturel ». Évalué dans des milieux aquatiques tels que les mers et les rivières, permettent en effet, par la relaxation que cela procure, mais aussi par la mise en place d'une dynamique groupale, d'être en contact avec ses propres sensations et d'être ainsi capable de les exprimer. Cela contribue à désemmurer en quelque sorte les personnes souffrant de troubles psychiques en régénérant chez elles l'envie et le désir, la joie et le plaisir, voire même le goût de l'espoir. On sait en effet que les facteurs psychocorporels jouent un rôle essentiel dans la construction du sujet. On sait aussi à quel point l'immersion dans un milieu aquatique et la légèreté qu'elle procure est bénéfique à toute personne qui expérimente une telle sensation. Ce jeudi 6 juin, Emmanuel Macron a annoncé l'envoi en Ukraine de Mirage 2000, modèle d'avion de chasse fabriqué par Dassault. Le président a en outre précisé que des pilotes ukrainiens allaient être formés en France pendant 5 à 6 mois dès cet été, ajoutant qu'il souhaitait qu'une brigade de 4500 soldats ukrainiens soit équipée et entraînée par la France. Créadi Nord Martinique s'est donné pour mission de valoriser les entrepreneurs du nord de l'île. Cette association milite pour le droit à l'initiative économique avec l'idée fondamentale que dans le cadre d'une économie inclusive de proximité durable et solidaire, chacun peut devenir entrepreneur s'il le souhaite, où qu'il soit et d'où qu'il vienne. Créadi Nord accompagne ainsi chaque année de nombreux créateurs d'entreprises en les conseillant et en les finançant par le microcrédit. Les membres de l'association sont des professionnels qui ont fait le choix de conjuguer leur carrière et leurs engagements. Le nord de la Martinique est en effet une terre d'innovation où agriculture, agroalimentaire, industrie verte et tourisme durable notamment sont porteurs d'opportunités tant pour les commerces et services du quotidien que pour les grands projets industriels ou touristiques. On parle souvent du sud de la Martinique, boosté par son activité touristique, mais dans le nord également se développe une activité économique, même si on la connaît mal. C'est un territoire qui accueille 7062 entreprises, et plus de 1500 demandeurs d'emploi y sont en parcours de création d'entreprises. Ce dynamisme s'inscrit dans un projet de valorisation d'une zone dont les volcans et les forêts de la montagne Pelée, ainsi que les pitons du Nord, sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tous les 3 ans, l'ADI, Association pour le droit à l'initiative économique, mesure, via une enquête menée auprès de créateurs d'entreprises qu'elle a financées et accompagnées, l'utilité et l'efficacité des actions menées par Créadi. En 2023, 10 concours Créadi Nord Martinique ont permis de révéler des talents du Nord dans les domaines les plus divers qui vont de l'agriculture durable, l'élevage et l'apiculture, à la sculpture de fougères, en passant par la location de matériel médical, le tourisme écologique ou encore l'accueil de très jeunes enfants. Les lauréats ont tous bénéficié d'une aide financière. À partir de décembre 2024, le tarif des consultations chez un médecin généraliste en France passera de 26,50 € à 30 €. Cette augmentation s'appliquera également à plusieurs spécialités médicales, notamment pour les pédiatres, psychiatres, gynécologues médicaux, endocrinologues et gériatres, avec des augmentations tarifaires ajustées selon les spécialités.
Cette révision tarifaire a été acceptée après des négociations entre l'assurance maladie et le syndicat des médecins libéraux, qui a exprimé des réserves toutefois quant à l'attractivité de ces mesures pour les jeunes médecins. Il a tout de même accepté de signer la convention pour maintenir le dialogue avec l'assurance maladie. La convention a également reçu le soutien de la Confédération des syndicats médicaux français pour les spécialistes, ainsi que celui de la Fédération des médecins de France pour les généralistes, réunissant ainsi plus de 30% des voix, le seuil minimal nécessaire à sa mise en œuvre. La signature de cette convention a eu lieu le mardi 4 juin au siège de la Caisse nationale d'assurance maladie à Paris. Ces nouvelles mesures visent à améliorer l'accès aux soins et la pertinence des prescriptions. Initialement prévu dimanche dernier, c'est finalement ce dimanche 9 juin que se déroulera la journée porte ouverte de l'association Les Cavaliers du Nord de Malzignina. Sous réserve d'une meilleure météo, le public est attendu au quartier Fond Brûlé de 10h à 17h. Selon l'IEDOM, l'activité économique en Martinique au premier trimestre a été en berne, une baisse de 2,7 points par rapport au dernier trimestre 2023. Ainsi, le nombre de logements mis en chantier a baissé de 15%. L'immatriculation de véhicules particuliers a également baissé de 10,7%. On observe également une baisse du nombre de salariés. L'inflation continue. Les prix ont augmenté en moyenne de 3,3%. Deux secteurs seulement envisagent d'investir bientôt, le BTP et l'hôtellerie. Les 5 anneaux olympiques lourds de 30 tonnes ont été posés cette nuit sur la Tour Eiffel. Ils sont en acier recyclé, fabriqués à partir de ferraille fondue, vert, noir, rouge, jaune et bleu la journée. Ils seront illuminés en blanc la nuit et donneront l'impression qu'ils flottent. Les agitaux, symboles de mouvement en forme de croissant asymétrique et emblème des Jeux paralympiques, seront bientôt eux aussi suspendus. Ça y est, la flamme olympique est partie de Brest sur le voilier Maxi Banque Populaire qui compte également à son bord Marie-Josée Pérec, la Guadeloupéenne qui fut championne olympique du 400 mètres aux JO de Barcelone en 1992, puis aux JO d'Atlanta en 1996. La flamme olympique arrivera en Guadeloupe le 15 juin. Une Guadeloupéenne, une arrivée en Guadeloupe, une publicité exceptionnelle pour l'île voisine. Ce samedi 8 juin sera la journée des océans, l'océan qui recouvre plus de 70% de la surface de la Terre est en équilibre précaire et aucun code n'existe au niveau international pour le protéger. Plus grand puits de carbone du monde capturant environ 25 à 30% des émissions de CO2, il se réchauffe et s'acidifie, ce qui compromet sa capacité à stocker le carbone. Or, depuis 2024, la Norvège a autorisé l'exploration des fonds marins autour de Svalbard, prémisse d'une exploitation minière susceptible de provoquer une catastrophe écologique. D'autant que ce sont les zones les plus fragiles qui sont visées et qu'il faut une tonne de roches et de sédiments pour obtenir un gramme de métaux rares. Pour préserver la planète, au lieu d'investir des milliards dans l'exploitation, on pourrait mettre des millions dans les mines urbaines, c'est-à-dire recycler tous les objets électroniques qu'on a chez soi et qu'on ne jette pas. Demain, samedi 8 juin, à 19h30, le théâtre Aimé Césaire, ex-mairie de Fort-de-France, accueille une comédie de l'association L'Art compte tout. La pièce, intitulée Berlin, est signée Gérald Sibleras et Patrick Hodker. Elle est jouée par les comédiens amateurs de sa section théâtre. Et vous avez sans plus attendre la parole, c'est l'heure de votre avis compte. Le système de soins est-il satisfaisant en Martinique? Nous vous écoutons.
Le système de soins est-il satisfaisant en Martinique? Alors, pas du tout. Clairement pas, parce que, ben, en fait, pour obtenir un rendez-vous médical, on est obligé d'attendre 6 mois, voire 1 an. Et, ben, en fait, on se retrouve avec ben, des maux qui s'aggravent. Des fois, on est obligé de partir en métropole pour pouvoir se faire soigner. Donc, du coup, pour moi, c'est à revoir le système de soins en Martinique. Non, c'est pas ça, c'est ça, j'ai rien en Martinique, mais ça reste satisfaisant, monsieur. Bon, rien du tout. Parce que parfois ça passe bien, parfois ça passe mal, vraiment. Ouais. Oui, enfin, c'est entre les deux. C'est entre les deux, enfin. Mais quand même, j'entendais beaucoup de choses quand même. Oui, en général, ouais. Ça va? Ça va. C'est pas trop compliqué d'avoir des rendez-vous. J'ai jamais testé l'hôpital. On va croiser les doigts. Le système de soins est-il satisfaisant en Martinique? Ben, pour l'instant, moi, j'ai pas eu trop de problèmes par rapport à ma famille, parce que je suis là depuis 2 ans. Donc, par rapport à ma famille, c'est eux qui prennent mes rendez-vous avec leurs médecins qu'ils connaissent déjà. Donc, pour l'instant, moi, j'ai pas eu trop de soucis par rapport à ça. Dans le système de soins en Martinique, je ne trouve pas. Donc, ça dépend si pour hospitaliser les malades, par exemple, dans les cliniques surtout, hôpitaux, je trouve que les infirmières n'ont pas la conscience professionnelle des anciens, quoi. Ma mère qui était soignante, s'en est aperçue, quoi. Et donc, parfois, c'est de la misère pour, voilà, quoi. Mais effectivement, ils ont moins de moyens, donc, ils sont peut-être, un manque de personnel, ce qui fait qu'ils ont pas le temps aussi, et bon, parfois, c'est les patients qui payent les conséquences, quoi. Voilà, c'est dommage, quoi. Pas trop, parce que en ce moment, on se plaint beaucoup quand on attend un rendez-vous, ça peut durer jusqu'à 3-4 mois, donc c'est pas toujours évident. Ça dépend des pathologies, ça dépend des spécialistes aussi, hein. Eh bien, l'époque a changé. Donc, nous avons, par rapport à hier, auparavant, les soins étaient différents par rapport à une époque et par rapport à une population en Martinique et dans le monde. Les maladies d'aujourd'hui ne sont pas les maladies d'hier. Et donc, il y a maintenant, on est sur le numérique, donc tout le monde fonctionne avec c'est une nouvelle ère, l'ère du numérique avec tout ce que ça comporte. Et donc, on voit son médecin à la télé, à l'écran, enfin, tout est diversifié. Il faut que le patient, le malade, participe à tout pour être guéri. Et voilà quoi. Donc, je comprends que le monde médical, que ce soit du médecin au plus haut que du médecin au plus bas, et tous les autres responsables dans le corps médical se perdent un peu. Non, pas du tout, pas pourquoi du tout. Pourquoi? Alors, parce qu'il manque des médecins, et puis nos médecins qui repartent en métropole. Et, c'est vrai, on nous envoie des jeunes stagiaires ici, mais il y a pas mal de Martiniquais qui seraient capables de faire ce que... Ouais, voilà. Alors, le système de soins est-il satisfaisant en Martinique? C'était notre question dans votre avis compte. Un grand merci, très grand merci à ceux et celles qui ont accepté de répondre à notre question. Et passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché qui s'intitule ce soir « L'intelligence artificielle pour qu'arrive la civilisation des loisirs ». Jean-Marie Noll est cet économiste guadeloupéen dont nous vous parlons souvent parce qu'il a le mérite de réfléchir et d'exposer au public le plus large possible le fruit de ses réflexions. Alors, écoutons-le à propos de l'intelligence artificielle avant de montrer à quel point il est lui-même, Monsieur Noll, symptomatique de notre élite intellectuelle, intelligente et en même temps inefficace. D'abord, citons Jean-Marie Noll. L'essor de l'intelligence artificielle, IA, est l'une des avancées technologiques les plus significatives de notre époque. Cependant,
elle suscite aussi des inquiétudes majeures. L'IA a le potentiel de transformer radicalement nos sociétés, mais elle peut également représenter une menace existentielle si elle n'est pas correctement maîtrisée. Ses avantages sont nombreux: amélioration des diagnostics médicaux, optimisation des chaînes logistiques, développement de véhicules autonomes et bien plus. Cependant, l'IA pose des questions éthiques et sécuritaires complexes. L'automatisation massive pourrait entraîner des pertes d'emplois considérables, exacerbant les inégalités sociales. Le secteur tertiaire, particulièrement développé depuis la départementalisation, n'échappe pas à cette vague d'automatisation. Les services bancaires, l'assurance, la comptabilité, les professions juridiques, le secteur de la santé voient leurs tâches traditionnelles de plus en plus déléguées à des machines intelligentes. Cette évolution technologique, bien que bénéfique en termes de productivité, entraîne une précarisation de l'emploi. Face à cette réalité de changement potentiellement destructrice, la participation citoyenne à l'élaboration de nouveaux modèles économiques et sociaux devient essentielle pour assurer le bon fonctionnement de la société guadeloupéenne. Fin de citation, et c'est donc signé Jean-Marie Noll. On voit bien que l'on peut remplacer le mot Guadeloupe par le mot Martinique dans ce texte, ou même par le nom de bien d'autres pays développés. On voit bien également que M. Noll émet là des évidences qui, pour être des évidences, n'en méritent pas moins d'être, tout de même, rappelées et rappelées encore par quelqu'un qui a pris le temps de la réflexion. Mais apparaît alors ce qui est véritablement notre problème. Une excellente description de la situation, mais en face, aucune solution. Comme un excellent diagnostic, mais sans médicaments. Aucune solution n'est proposée pour que ce qu'il faut faire se fasse. Pour notre part, nous sommes sidérés par le fait que personne, pas plus en France qu'en Martinique, ne propose aujourd'hui la chose la plus simple, la plus évidente qui soit. Puisque l'intelligence artificielle et les robots sont capables de faire ce que nous faisons à notre travail, eh bien qu'elles le fassent. Qu'elles le fassent pendant que nous, eh bien nous faisons autre chose. En 1967, la durée légale du travail, c'était 45 heures. En 1978, elle a été fixée à 42 heures, 3 heures de moins en 11 ans. En 1982, ça a été 39 heures, donc 3 heures de moins également, mais en 4 ans seulement au lieu de 11. En 2002, c'est le passage aux 35 heures pour toutes les entreprises, donc 4 heures de moins, mais en 20 ans. Et là, nous sommes aux 35 heures depuis 22 ans sans que personne, aucun politique, aucun parti, aucun syndicat ne mette en avant sérieusement cette extraordinaire anomalie. Vous vous rendez compte? Alors que l'on a de moins en moins besoin, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la robotique du travail humain, il ne vient à l'idée de personne de proposer que l'on réduise la durée de ce travail humain. Pour que vienne enfin le temps où la vie de l'homme ne sera pas labeur essentiellement, mais sera également loisir, et pourquoi pas au fond, loisir essentiellement. Et dans cette civilisation des loisirs, il y a évidemment toute une économie nouvelle à mettre en place. C'est une révolution copernicienne, mais elle est possible, mieux, elle est terriblement souhaitable. Et après le savoir et réfléchir de Roland Laouché, la rubrique santé pour terminer ce journal. Tous les patients arrivant aux urgences ne feront pas d'infarctus. Les recommandations sont très claires à ce sujet. Incitez les personnes qui ressentent les premiers symptômes d'alerte de l'infarctus à contacter immédiatement les urgences via le SAMU en composant le 15. De la sorte, l'accident peut être évité et à défaut, on peut en prévenir les séquelles grâce à une prise en charge très précoce. Dans la réalité, toutes les personnes qui arrivent aux urgences pour suspicion de crise cardiaque ne feront finalement pas d'infarctus et c'est tant mieux. Alors qu'aujourd'hui tous les patients subissent de multiples examens, des chercheurs viennent de mettre au point un test qui permet de détecter des cas précis. À la clé, les urgentistes peuvent se focaliser sur les personnes à haut risque d'infarctus et renvoyer chez elles toute fausse alerte, celles dont les risques sont faibles. Il s'agit d'un test sanguin mesurant une protéine, la troponine, protéine dont le taux augmente
lorsque les cellules cardiaques meurent. En dessous d'un certain niveau, on peut écarter un risque d'infarctus dans les 30 jours. Les premières expérimentations menées auprès de 6300 patients indiquent que l'on peut ainsi prédire les personnes qui feront ou non un infarctus dans les 30 jours. Autrement dit, avec un seul test sanguin, il est possible de trier les patients dans les services d'urgence en déterminant ceux qui peuvent rentrer chez eux et ceux qui doivent rester sous surveillance. De nouveaux essais sont nécessaires pour valider ce test, sa sécurité et son efficacité à grande échelle. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Daniel Jazz, Piola Ouchevitz, Hugues Blandy, Alain Jean-Paul, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouché. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain, 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France. Vous pouvez bien entendu revoir votre journal sur notre site kmttelevision.fr. Passez une agréable soirée, bon week-end, soyez prudents et que Dieu garde la Martinique.